Bon, c'est le huitième jour de voyage. On est à Antelope. Enfin là, on est surtout dans le camping-car. Il nous est arrivé une petite galère, c'est qu'on n'a pas vu qu'on avait une heure de décalage en moins encore. Donc on est parti à 6h parce qu'on devait arriver à 9h à Antelope. Enfin, 8h30. Et en fait, on est arrivé devant la dame à l'accueil. Elle nous dit, mais il est que 7h45 et pas 8h45. Et du coup, bah, en fait, on doit attendre. Donc heureusement, elle nous a fait passer pour le tour à 8h30. Donc là, on attend, on va boire un café et puis on va attendre 8h30. Hein. Voilà, tant pis, on avait qu'à être moins con, hein, Antoine. Bah, elle s'est un peu moquée de nous, la dame, quand même. En même temps, elle a eu raison. Hein. Franchement, ouais, on arrive une heure avant, mais il n'est pas l'heure qu'il est. Vous êtes en avance. Enfin voilà, bon, on pourra pas filmer à Antelope, mais en tout cas, on essaiera de vous faire de belles photos. Allez, bye bye. Antelope Canyon est situé dans le nord de l'Arizona, près du lac Powell, dans la réserve des Navajos. Il est constitué de deux gorges, l'Upper Antelope Canyon et le Lower Antelope Canyon. C'est en 1931 que cette gorge fut découverte par une jeune indienne Navajo. Au fil des années, le sable présent sur ces terres s'est transformé en grès rouge, c'est ce que l'on nomme la sandstone. Puis l'érosion de l'eau et le vent ont peu à peu créé cette œuvre époustouflante. Super chouette! C'était trop bien, franchement trop bien. Et il expliquait bien le guide, il nous faisait faire de belles photos. C'était top, y'a rien à dire. À faire, comme dirait papa. Et maintenant, on se dirige vers Horshuben. On se dirige vers Horshuben. Au lac Powell. On va vous filmer tout ça. Arriver au Grand Canyon et on va passer la nuit, enfin deux nuits ici, et regardez, on a de la visite. Donc j'avais déjà vu dans les avis du parc. Bon, on va essayer de vous retrouver le nom de cet animal parce que je ne sais pas du tout. Bon, ça y est, on a adopté la démarche des vacances avec nos tatanes. On claque tous des pieds. Vas-y Antoine, marche. Ouais, c'est ça, hein, ça y est. On sait qu'on est là pour deux jours, bah c'est fini. Hein. On nous a perdu. Hein. On a vu un restaurant, des burgers. On dit que les burgers vont pas nous manquer en France, mais regardez, une semaine, on en peut déjà plus, on a déjà la dalle de burgers. Donc on a voté ce soir, petit resto au Grand Canyon. Hein ? Ouais, ça va être cool. Ça va faire du bien. Thank you.
Elle dit quoi ? Plus grande que moi. Allez, on va profiter. Ces jeunes qui partagent. On n'a pas touché. Elle va finir par tenir, attention. Non, non, non. Goûte. Quand même, on retrouve nos burgers. Hello, on est dimanche 25 juin et on est au Grand Canyon. On va passer la journée au Grand Canyon à faire des randonnées, je crois. Oui. Peut-être pas cet après-midi parce qu'il commence à faire chaud déjà. Ouais. De bon matin. Il est que 9h du matin, même pas, il fait déjà chaud. On a bien profité hier soir, on a mangé, on s'est couché tôt, on est en forme, on a bien dormi, on a pris un bon petit déj et là bon, on va aller marcher. Et puis ce soir, on est encore au Grand Canyon, donc je pense qu'on va aussi se coucher tôt et profiter. Peut-être un coucher de soleil, on va voir. Ouais, faire une petite randonnée au coucher de soleil avant de faire une dernière randonnée demain matin et de reprendre la route. Ça fait du bien de ne pas avoir trop de route aujourd'hui. C'est vrai. Voilà, donc on vous emmène avec nous en rando. Non, mais c'est parti. On passe le tunnel. On est bien quand on est au frais. Parce que ça tape au soleil, hein. Et on repart pour la montée. On s'est arrêté au premier point. On pouvait pas aller plus loin, il fait trop chaud. Mais il faudrait partir à 5h du matin. C'est ça. 4h. Mais peut-être un jour on reviendra et on ira jusqu'en bas du canyon. Mais voilà, faudra dormir sur place. C'est tout transpirant. Le monde tu l'aurais pas fait, hein. Pas du tout.
Yes. On est arrivé. Pour se motiver. On va être démonétisé. Ah mais non, on s'en fout. On n'est pas monétisé. Et c'est reparti pour un tour. Bon, on sait pas combien de kilomètres on va faire, mais clairement, on est des locs. Hein. On a passé l'après-midi dans le camping-car avec la clim. Alors, on a essayé de regarder une série, mais en ça marchait temps, pas. Qui va se mettre à descendre le canyon sous 33 degrés ? Personne. Donc, c'est parti. On y retourne. Vite, on va rater le bus. Vite, cours Forest. On est de retour pour le sunset, le coucher de soleil. J'aime pas, je suis près du vide là. Bon, 5 minutes plus tard, on prend le chemin le plus haut parce que... Non, on prend le chemin des vélos, moi je peux pas. Hein. C'est un peu dangereux, c'est on est vraiment dangereux. Proche du vide. Je me suis mise à hurler, ouais. J'avais presque des vertiges, j'ai envie de vomir, j'ai ouais. Pas pu. Regardez, on est vraiment proche, hein. Il y a un chemin juste en dessous. Ils sont voilà. En dessous ou non, ils vont arriver là en fait. Regardez cette vue. Il y a qu'Anthony Mel qui sont courageux. Colorado, juste là. Bon, finalement, on voit le coucher du soleil. Je vais m'avancer un peu. Hello, dernière matinée au Grand Canyon. Donc là, on va faire un trail côté est du Grand Canyon. Puis on aura fait tous les côtés, hein. Ouest, est. Ouais. Et un peu au milieu. On est à l'est, là. Ouais, on est à l'est. Voilà. Allez, bye. C'est beau, hein. C'est trop beau. On y va ? Yes. Beau. Go. Ted, t'as pas des airs de déjà-vu, regarde.
a personne, on est seul au monde. C'est la ridge, deuxième point. C'est trop beau. Bon allez, c'est parti, on remonte, on va poser la caméra pour pouvoir se concentrer sur notre ascension. Ça va être le plus dur. Ça va être le plus dur parce que le soleil commence à taper, on aurait dû partir encore plus tôt. Oh. Et puis on vous fera une petite vidéo à l'arrivée pour vous dire comment ça s'est passé le retour. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. We made it. Yes. On l'a fait. Oh. Alors, je suis partie quand même à poil hein, du canyon, j'étais en brassière, j'ai remis le pull. Hein. Il caille en haut. Oh, ouais. C'était magnifique. C'était dur, on a fait le retour. Hein. 44 minutes, même pas. On a fait combien? 5 km 5 km avec 340 mètres de dénivelé. Yes. Pas mal. Allez, allez, au revoir, Grand Canyon. Le Grand Canyon est un immense canyon de près de 1500 mètres de profondeur situé dans l'Arizona. Il a été creusé par le fleuve Colorado et par ce que l'on nomme le Grand Staircase. Autrement dit, un empilement gigantesque de couches géologiques composées de roches sédimentaires. C'est en 1919 que le Grand Canyon devient parc national, protégeant ainsi 4927 km². En 1979, il entre officiellement au patrimoine mondial de l'humanité pour sa diversité et sa singularité naturelle. Et maintenant, on se dirige vers Orchoupen. On se dirige vers Orchoupen. On va juste voir, je pense. Oh, the leaves are brown, the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. À vous. J'ai plus de voix avec la clim. Alors, Orchoupen, c'est le fer à cheval. Non, comment expliquer? En fait, il y a le Colorado qui passe et c'est la photo typique qu'on voit partout. Expliquer comment ça s'est formé. Tu veux que je fasse reporter? J'en sais rien. Hein. Tu vas à Coachella là? Ouais, je vais conduire un peu, je vais à Coachella là. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais, salut. Coachella, Coachella. Ouais, ok. Allez, bye. C'est nous hier sur le cheval, c'est Vincent. Je crois que les cornichons ils sont pas assez gros. Welcome to the Grand Canyon. Welcome to the Grand Canyon. Faites en rythme au moins. Oh, un torchon. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas acheté un torchon. Il y a même l'éponge. Et en plus, il y a la chanson que j'aime bien. Ça veut dire qu'il faut l'acheter. Non, en vrai, il est pas ouf. Hein. Il est tout simple. Je le prendrai pas. Mais par contre, il y a une jolie carte postale.
vite, on va rater le bus. Vite, cours Forest. Bon, ce sera pas un coucher de soleil, mais c'est beaucoup un même. Un demi-coucher de soleil, c'est oui, déjà bien. C'est vrai. Ah, j'entends le bus. C'est l'heure d'apéro. Oh oui, j'ai faim. Pourquoi j'ai tout le temps faim? Oh, il est là. Alléluia. On a marché. J'en peux plus. Allez, allez, bonne nuit. Hein. On va bouffer. Hein. J'ai les jambes trop petites, là. Mmh. Non, je vais me faire mal, là. Je touche pas. Non. Mmh. Allez, ah, vas-y. Tu veux faire un petit saut, hein.